Dick, Mr. Coulon, n'oublie pas la capote, n'oublie pas le sachet. Hey. Si t'as eu comme un rabat, mon frère, ma soeur, faut éviter. Les filles aujourd'hui ne sont plus sérieuses. Elles n'hésitent plus pour se donner. Elles viennent ce qu'elles donnent, elles va la baisse donne. Juste pour avoir les biens de ce monde. Kindumba est comme un ango à la mode. Mon frère, ma soeur, l'attaque à porte. Le sida te guette, ozo ye batte. Ozo landa bilingue, kosu kamabe. Yolo yamboko téléphone, no lingo taille. Kolo est une slim, okéko livré. N'oublie pas la capote, n'oublie pas la capote, n'oublie pas le sachet. Hey, tu dois te protéger quand les MST, les grossesses, c'est le sida. N'oublie pas la capote, n'oublie pas la capote, n'oublie pas le sachet. Tu dois te protéger quand les MST, les grossesses, c'est le sida. C'est pour ton bien, le préservatif te protège au quotidien. Il faut la ta cabotine avant qu'on t'atterrain. Wanama, c'est qu'on bête à ma bien. N'oublie pas la capote, n'oublie pas la capote, n'oublie pas le sachet. Tu dois te protéger quand les MST, les grossesses, c'est le sida. N'oublie pas la capote, n'oublie pas la capote, n'oublie pas le sachet. Tu dois te protéger quand les MST, les grossesses, c'est le sida. Avant yo mata, montre-moi ta capote. Avant de mettre ta capote. Avant yo sala, n'oublie pas ta capote. Avant de ouais ta capote. Avant yo kenda, montre-moi ta capote. Avant de ouais ta capote. Avant de n'oublie pas ta capote. Je vais Respecte mula na yo.
yo. Est-ce que zambo nana yo? Est-ce que zambo nana yo? Na tunye, est-ce que zambo nana yo? Yo na yebo sila na sojo monye nanzala fotungisa. Ha, gazo no zo kitisa, meme mba masa no bazo silika. Tika makamba so ni papa, so ki moto bo itika. Boni mwa kipomba masa tika, tashe bango pia masanga. Tika makamba wana, tika, kukete na miso abato, tika, kusinge na miso abato, tika, tika makamba wana, tika, tika makamba wana. Ouais, ça va. Oh là là, mais ils sont mal besoin, hein. Ah bon? On me coiffe souvent ici, chez les cornes. Bah, mais... Moi, également, je viens de découvrir aujourd'hui. Oh, hein. Donc, Je vais profiter de poser les news de la musique, quoi. Y a pas de problème. D'accord. On est là pour ça. Je veux m'asseoir, mais... Oh là là, là. Mais avant ça? Ouais, ça va. La femme, hein. Ah, on est là. Tu te fais beau ici? Ouais. Un manager chroniqueur. En plus, promoteur de la musique congolaise. Bah, mais on n'a pas le choix, on fait avec. D'accord, Erol, donne-moi un peu le micro, donc nous allons essayer de parler. Et qu'est-ce qui t'amène à Brazza? Bah, tu sais, quand j'arrive à Brazza, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose. Oh ça là veut là. Dire que s'il n'y a pas une information, s'il n'y a pas l'actualité, je ne peux pas arriver à Brazzaville. Donc si je suis là... Déjà, c'est pour accompagner des artistes qu'on a l'habitude, comme oui. toujours. Donc, toujours dans ton mouvement de toujours de dans la promo, toujours dans, c'est la nouvelle année, donc je pense que quand on veut commencer avec des bonnes choses, on commence oui, oui. dès le début de l'année. Uh-huh. Voilà pourquoi que je suis déjà à Brazza, donc pour bien commencer l'année musicalement parlant. Musicalement, oui. Voilà. Dernièrement, on était avec toi, tu nous as ramené... Spirita. Spirita, on a passé de bons moments. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous ramènes? Bon, aujourd'hui, je vous ramène Prince K. Prince K, donc, un Congolais? Un Congolais. Ouais, ça sonne américain. Un Congolais de la diaspora. Hein, donc, oh là là. Un Congolais de chez nous, mais qui évolue de l'autre côté de l'Europe. Oui, donc, oui. Comme tu entends déjà le nom Prince, ça veut dire que c'est un nouveau prince aussi de la rumba. D'accord. Qui est en train de faire la fierté du pays, de l'autre côté. Octobre, novembre, on avait commencé avec un de ses singles déjà, Rikem, une belle rumba, ah oui. que les gens ont vraiment apprécié et tout ça. Et là, cette année aussi, cette nouvelle année aussi, il vient de mettre un nouveau single pour bien commencer l'année, comme je dis, tantôt, et faire plaisir à ses fans. Voilà quoi, donc... Mais d'accord, pour en profiter avec toi, je vais d'abord te laisser qu'on puisse un peu tailler. Mm-hmm. C'est ce qu'on dit, non? On dit tailler ou bien coiffer. C'est raser. Comment? Raser. 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 Ah bon, excusez-moi, on entend le raser, mais on dirait Bakato Basuka. Bah, donc, Babetanga, moi, vite fait. Babetanga, vite fait. Après tout, tu vas ma solo. Après tout, tu vas ma solo bien. Bon, chers amis, donc, dans la minute, Nazoti Kelabi, non Kunga Sikezo Bima. Donc, ça veut dire le new clip de mon frère Ladis. Lui, il a chanté avec Fofana Mouladi et le titre c'est Coco. A tout de suite. Sakate po bolingo baye kolaka lokole tambole mwana bebe atako akoyi azoki ako persevere kaka sukase akoye kola ofana mulade kote langa ayaka po apesa yo bolingo Kondobo pota maliki mboko Apakola malasi na yo Mona kakara Nase akwiti
motu etata fimbo te o na confondre sanya bolingo coco yango na sengi bolimbisi pardonne nga ye mea culpa ti mamono ke pembe ve kasi mwa mambo akitoko kele na kati ye kulosa ya uve ata yame kuma bamputa soki alati kaka liputa pamba ye pe atelemi na songe ya lopango basi baleka batala ye na liso ya mofiti mpo que j'ai croisé Karoff. Il est en train de se faire tendre ici chez les Corneilles. Bon, profit, hein. Au moins que musique contre les lignes n'attend pas là partout. Ouais. Moi aussi, je me coiffe ici. Bon. Quoi, c'est mais Ola, tu suis chapeau, quoi. Yo, tu vas au tout cas. Chapeau. Oh, yo. Monsieur Issa, mon tapé, c'est un chapeau. Donc, c'est Issa. Donc, il y a boutique Moro. Viens, on a appelé ça ouais, souvent. Boutique Naponto. Ouais. Ah, ouais, ah, ouais, car on a poto poto. Donc, verbe arrive, Moshiguna. Donc, wow. Moi aussi, je profite de saluer Diawara, Diawara, Dja Production, tout ce monde-là, ça fait plaisir. Mais tu me parlais de Prince K. Ouais. Rentrons un peu dans le noyau de ce monsieur. Ouais. C'est un Congolais, tu me dis? Oui. Ouais, un Congolais de chez nous, mm-hmm. du Congo-Brazzaville. Donc, il a évolué avec un groupe auparavant, où c'est un groupe qui a fait pas mal de succès de l'autre côté d'Afrique de l'Ouest. Ils ont fait aussi pas mal de concerts en France. Ils ont fait le Stade de France avec Kesha à Nofela. Donc, il a chanté avec Kesha. Ouais, Kesha à Nofela. Wow. Ils ont fait la première partie de Youssoundour au Zénith aussi, oui. Avec, avec son groupe, hein, juste après, chacun comme d'habitude. Ils ont un angle que chacun qui dit ça à moi. Carrière solo naïe. Donc l'artiste depuis un certain temps, il s'est lancé en carrière solo avec de la rumba, du ndombolo. Avant c'était un peu de l'afrobeat, mais Awasikwa Kotipena purement. Nakatia. Il y a rumba congolaise, ndombolo. Ah, mais t'as compris le mot là. Baninga ou Babetaka, rumba congolaise, Penza et Makila. Pena rumba, ya rumba. Ceux qui ont eu l'occasion de suivre Requiem dans ma chaîne, il y a la télé, je pense à la télé Congo, je suis déjà passé ici.
Tam Tam et autres qui ont apprécié le clip Requiem, okay. Ma chaîne Moussoupé privé autres, à Pointe-Noire, Brazzaville, on a ça qui m'a le tour. Apprécié, oui. Ils étaient en train d'attendre aussi un autre morceau que l'artiste va mettre. Donc c'est ce nouveau single qui vient encore de mettre sur le marché. Donc depuis le 18 janvier que ce single est disponible, numéro de crew. C'est pas une rumba, mais c'est un morceau saccadé. Moi, rumba, on a début et puis là, moi, chauffage. Numéro de crew. Mais qu'est-ce que ça veut dire numéro de crew? Comme tu es son manager, qu'est-ce que ça veut dire numéro de crew? Numéro de crew, ça veut dire le numéro de la prison. Ça veut dire numéro que la prison, ils arrêtent des numéros, exemple 308, numéro 309. Donc, c'est ça le numéro de crew. Pourquoi numéro de crew? Parce que c'est une histoire vraie. Oui. On l'avait arrêté déjà? Non, c'est un ami, Kaka Nenge Tozalara, un ami. Qui a une famille, sa femme et les enfants. Oui, bien, apportement, logique, il y a un mini-ming. Donc, il y a un petit faux pas. Le monsieur a fait de la prison. Et derrière. C'est qu'on appelle en lingala l'ubuako. Voilà, donc c'est ça. Mais... Et derrière, quand le gars est en prison, derrière la femme, a eu Mobali Mosusu, donc a négligé Mobali na prison. Voilà. Donc, tu vois, donc c'est une histoire. Mais ça, c'est carrément un film. Hein? Voilà, donc c'est ce qu'il a voulu partager, cette histoire. Voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Et en ce moment, l'artiste est basé en France. Ouais, l'artiste est basé, en France. Pas de concert en vue ici et au Congo. Si. Ça c'est une façon d'abord de l'imposer au Congo. Vous savez qu'il y a beaucoup d'artistes congolais qui sont en Europe, mais Awatoubi Bangouté. Tu vois. Je félicite quand même des artistes comme Ladis Sarkade que j'ai eu l'occasion aussi de recevoir dans ma émission. Mais tu as vu son nouveau morceau avec Fofana Mouladi. Bon week-end mon vieux Fofana Mouladi. C'est que c'est un grand frère qui m'a apporté beaucoup de conseils sur ce que je fais dans le management. Et ma solo est belle. Donc ça et ton abinoté, je me rends à Rana Lobela Fofana Mouladi. Toujours. C'est vraiment quelqu'un qui apprécie. Mais c'est les grands de la musique congolaise. Donc il y a ça. Mais il y a aussi d'autres artistes que je vois, des Harold Ngangas, tu vois aussi ça va, Top One Frissant. Mais il y a d'autres artistes, quand vous êtes en Europe, là-bas en France, c'est important que Nambo Kape Baye Barabino, par actualité, au Bossa, la Rabotine Daka. Musique contre les Nénés là. Donc c'est ça, c'est très important. Donc lui, il a jugé bon, Nambo Kanaye, tout ça la promotion, qu'on lui connaisse d'abord, c'est un artiste qu'on ne connaissait pas, mais peut-être de l'autre côté. Donc en ce moment, on est en train de travailler avec l'équipe, moi, visibilité à l'artiste. Il est en studio, il est en train de préparer l'album. Il viendra aussi au Congo Brazzaville pour faire quelques collaborations avec des artistes déjà de la place qui sont assez quand même connus pour que EPSAP ait un plus, Nae. Et puis, bon, c'est l'album qui va sortir. Il y aura on peut connaître déjà le nom de l'album. Le nom, jusque là, on n'a pas encore trouvé le nom, mais il y a des titres qu'il est en train d'enregistrer. Il y en a tellement. Oui, vous avez déjà combien de titres déjà? Il y a trop ébélé. Trop ébélé. Il y a trop ébélé. Donc, même bateau, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Le manager. Le manager. Donc, Karoff, qui le met en contact directement avec Prince K. Ouais. Nous allons suivre un clip souvenir. Pour un peu se reposer, hein? Ouais, parce que dans mon yoga, quand tu vas sur qui est comme un bogar, donc, chers amis, on va suivre le clip souvenir et nous allons revenir toujours dans Musique entre les lignes. Nazo belela yo maloba nanga ezouta wese amote mana ngai na pesi merci na nzambe po asangisa ki bandela na biso mau ndele aloba l'argent ne fait pas le bonheur bonheur ya ngai na mokili kaka se yo Alléluia,
ezalaki éphémère et l'autre koutani lobito pabwani kasi tango namonaki yo naebaki que cette fois-ci c'est la bonne obimelaki nga lokola angelou Chers amis, je pense que le clip Souvenir vous a plu. Je suis toujours avec Karoff, manager, promoteur et chroniqueur de la musique comme moi. Cher ami, à promouvoir ces autres cas. Mais comment tu as vu le clip Souvenir? Ouais, c'est bien, c'est important. Moi, bah, nostalgie. Lui, c'est Ali Mounadi. Un grand chanteur. Akoye mana R&B, akoye mana rumba, non. Donc on a donc suivi le grand frère en featuring. Et là on le suit lui-même dans Sérénade. C'est un bon chanteur et bon samedi. C'est un grand frère aussi que j'apprécie bien, qui apprécie aussi ce que je fais. Mbote Beleko. Mais Karoff, j'aimerais qu'on rentre un peu dans le noyau de ce que tu fais. Ouais. Tu es souvent à Brazza, à ouais. Pointe-Noire, ouais. Toujours dans la promotion de des la artistes. Culture congolaise. Ouais. Oui, quelles sont les news en ce moment? Bon, les news, vous savez que d'autres personnes ont choisi le pétrole, d'autres personnes ont choisi l'agriculture. Oui. Nous avons choisi la culture. La culture. Voilà, parce qu'on aime ça. Il y a d'autres qui le font peut-être pour le buzz, pour le noise et tout ça. Nous, on le fait parce qu'on aime d'abord la musique. Mm-hmm. Vous voyez. Donc, avant même que je sois à la télé, tant que chroniqueur oui. J'organisais déjà des petits concerts de quartier. J'avais des amis qui aimaient la musique. Donc, ça veut dire que vous étiez déjà promoteur. J'étais déjà là. Je pense 2006-2007, j'étais déjà manager d'un artiste qu'on appelait Babchi. Il avait le buzz ici à Brazzaville et tout ça. On a fait pas mal de projets jusqu'à ce que je suis venu tomber dans la chronique musicale, présenter des shows, des scènes. Après, on m'a dit, tu as une très belle voix, tu peux aussi faire de la télé ou la radio. Tu es chaud, tu peux bien faire. J'ai eu des amis qui m'ont poussé. Je pense par là, c'est réparti. C'est parti. Ouais, c'est parti. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, bon. Vous êtes au top. Pas vraiment non, top. Non, on va le dire, vous êtes au top. On est en train de faire... Là où tu viens présenter déjà presque, tu veux dire quoi? On est en train de faire notre petite carrière. Oui. Et avec la grâce de Dieu, petit à petit. Mmh. Et les gens se disent, ça va, continue. Il y a des conseils de gauche à droite, il faut faire ceci, il faut faire cela. On le fait humblement. Oui. Et ça se passe bien. Donc, depuis 2016 que j'ai eu cette initiative de lancer ce label de communication événementielle parce que j'avais pas mal de gens qui me disaient non tu peux pas me manager. Il y a d'autres artistes qui parlent seulement du manager pour le plaisir. Oui. Vous voyez, il y a pas mal de gens qui me sollicitent et tout ça là, mais j'ai choisi de travailler avec des artistes concrets. Oui. Concret, quand je dis concret, quand on fait un projet, on le fait jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à la fin. Oui, oui. Vous voyez, parce que la musique, ici, il n'y a pas de moyens et tout ça. Donc, on est obligé de faire avec nos propres moyens, nous-mêmes. Et puis, s'il y a un producteur ou un mécène qui arrive, s'il met de moyens aussi, c'est bon. Mais on fait d'abord nous-mêmes.
Donc, je pense que j'ai commencé avec Spirita depuis 2015. Oui. On a pris depuis quelques mois déjà avec Prince K. Je pense que depuis octobre, qu'il a apprécié le travail que je fais. Et l'artiste dit, ouais, voilà, on va travailler ensemble, on est en train de travailler. Il faut d'abord faire asseoir sa visibilité ici avant qu'il arrive au Congo, pour faire des collaborations, et puis quelque chose dans les boîtes de showcase, dans les boîtes de nuit de la place. Et puis, c'est un peu de créer des staffs, parce qu'il y a un artiste ici, il faut moi, staffer. Bah, staffer, ça l'a déjà. Bah, il y a un brasa, un combo, petite chose. Vous créez déjà. Aza, déjà, moi, bah, staff, bah, tonaye. Quand l'artiste arrive, moi, bah, systématique. Pareil pour Pointe Noire. Comme on dit, vous minez déjà, bah, terrain. Voilà, toi, minez déjà, bah, terrain, tu vois. Donc, Pointe Noire, au miné terrain. J'étais à Dolouzi avant que j'arrive ici. Il fallait que. Namo, on appelle moi, pour placer déjà, moi, artiste aussi, pour voir. Parce que. Si l'artiste vient jouer à Brazzaville, il doit jouer à Pointe Noire, il doit jouer à Dolizy, il doit jouer aussi en Caïs, si, moi juste que non. Il ne faut pas que tous à la carte limités Brazzaville, Pointe Noire, tout Bossanabaville, Moussous. Vous voyez. Donc c'est ça. On travaille avec ce label Talon Mboka, qui est représenté par moi-même, le manager général. Avec mon assistant qui est Lecho Kwere. Mm-hmm. Lecho Kwere que je salue, hein, ouais. Master. Yo, on a pas Facebook au Bumanga tous les jours. Ouais. Lecho Kwere, quelqu'un aussi qui est vraiment très actif. Non, il se bat, ouais. Oui. Et c'est un frère. Nous avons aussi des filles, des Jeveille, Adwa, qui sont là pour les infographies sur l'Inde. Donc c'est vraiment une petite équipe qui est là. On essaie de travailler comme ça depuis 2 ans. Salut tout le monde, c'est Leslie Fema, artiste chanteuse, juste vous dire que mon nouveau son, Nuit Hit, est déjà disponible aujourd'hui même sur la musique en playlist. Donc n'hésitez pas, soyez squatchés, moi je serai là, ok. Je vous passe des coucou, je vous adore, yes, le nouveau labour arrive aussi, et la diversité c'est une à vous. Mamouté, ma Leslie Fema. Malage mais sale bitch. Bouge comme ça, aïe. Vas-y danse comme ça, aïe. Maman bouge comme ça, aïe. Vas-y danse comme ça, aïe. Et maman, aïe. Nous allons suivre le clip du jour. Numéro de crew. Donc, numéro de crew que nous allons suivre, chers amis. C'est le prince. Ouais. C'est le prince du Congo, oui. Bien sûr qu'il est basé en Europe, mais c'est un Congolais de chez nous. Ouais. Et nous allons le suivre. Donc, on dit quoi déjà? On va dire quoi? Suivant. 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 Donc, à tout de suite, chers amis. Se beli singai bongo Oloko na kota na sima bali na ye mosusu Fami penandako Pazinga mina mawa Bananandako wako makomi tungi sama wapi papa Bolingo na pesa nana se beli singai bongo Oloko na kota na sima bali na ye mosusu Fami penandako, bazinga mina mawa Bananandako bako mako mitungi sama wapi papa Mawananga, mawa Mawananga, mawa Utozo linga, olinga yote Koyozo boya, olinga yo La vie ongo utapale La vie sebo Nasala nini Benda nzoto Yoke langa ye Nazana boloko Importante linga na kinga na ye Lokola bana mapasa O lingwango ye lingi solo Koleko ya dao na dao C'était promis l'amour, la fidélité, la sincérité pour l'éternité, pour l'éternité. Yeah. La salanini, yoke langaye, nazana pasi, olingo na pe.
pesa na nose beli singa ibongo Loko na kota na sima beli na ye mosusu Pami pena ndako, bazina mina mawa Anana ndako wako mako mitungi sama blatika congolaise, il se bat pour vous ramener des tops comme ça. Avant, on avait ce qu'on appelait Tam Tam avec Spirita. Mm-hmm. C'est grâce à Karof qu'il est passé dans notre émission Musique entre les lignes. Comment tu fais? Comment je fais? Oui. Spirita, c'est une artiste qui a du talent. Elle a prouvé. Elle a prouvé de quoi elle était capable. C'est une artiste avant qui n'était pas assez visible. Hein. Mais dès qu'on a fait cette rencontre-là, je l'ai reçue à la radio, à la télé en même temps. Il y a eu, comme on dirait, deux amoureux, coup de foudre. Hein? Oh oui, oui. Ouais. Coup de foudre. Donc c'est parti par là. C'est parti par là. On a commencé à travailler. Une année après, elle est sortie Révélation féminine 2016 dans le Beat Street. Donc on a travaillé ça comme d'une façon bizarre que l'artiste est sorti. On parlait de gauche à droite. On a vraiment cogné fort qu'aujourd'hui, l'artiste se place parmi des artistes féminines qui brillent en ce moment au Congo parce qu'elle joue un peu partout. Elle était à Dubaï, elle a joué. Là, en juin, c'est à Abidjan. Là aussi, au mois de mars, là, c'est IFC, mm-hmm. la CAFET pour le mois de mars. Oui. Et beaucoup d'autres voyages aussi qui se font. Donc, ce qui veut dire que tout ce que vous touchez, c'est de l'or. Humblement, on travaille sans se faire la tête. Nous sommes là. Talamboka, c'est une agence de communication. On travaille avec tout le monde. On a travaillé avec Doudou Kopa au niveau de Point Noir Brazzaville pour ses concerts. On représente Dieuzone Philosophe au niveau de Point Noir et d'Oulizi.
il y a des projets. Il y a Olivier Fofana qui m'a contacté pour qu'on travaille ensemble. Donc on est en train de voir aussi Caprice Dicon aussi, qui est un artiste de talent. Que... Mais ça veut dire que votre maison sera bientôt inondée des artistes. Ben, le problème est que c'est des jeunes qui ont la volonté de travailler, qui veulent vraiment, vraiment pousser les choses. Oui, oui. Donc nous sommes là pour ça. Karof, merci vraiment. C'est fut un plaisir pour moi et de mon équipe, comme je l'ai dit toujours. Nous sommes à la fin, peut-être un dernier mot. Et bon. Surtout, n'oublie pas les contacts. Ouais, déjà un dernier mot, merci. Déjà à Télé Congo pour cet espace. Il fallait tous avoir un espace à Boyo pour s'exprimer. Ils ont appelé l'émission et recevoir à Batoutou sans distinction. Vraiment merci. Je reçois tout le monde, le monsieur bien, le chroniqueur, animateur, il est très sympa, très ouvert. Hein? Merci. Donc, et puis avec son équipe aussi très dynamique. Vraiment, là, nous avons Erod Mawanda. Ouais. Et... C'est une émission riche. Même si on manquait la TV ou la YouTube, c'est très bien. Moi, innovation à Boyé. Merci. Donc à tout moment. Je passerai ici toutes les actualités. C'est ta maison, hein? Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Prince K, c'est maintenant cet artiste en ce moment. Tout ça, il y a confiance. Tout ça, il y a beaucoup. Parce qu'on a besoin de ça. Toi, on a Congo. Toi, on a des artistes et belleté. Le peu qu'on en a, il faut tout soutenir Bango. Tout soutenir Bango, que ce soit moral, financièrement et autres. Donc, Mbote, on a Batoutouba, on a Bissot à côté à Paris. Et moté également à toute mon équipe, Let Chokwere, Adwa, Dieu merci, à Didon Chef Samy, Maman Yvi, Maman Chantal, tous mes amis, la patronne de mon cœur, Maman Nabana, clin d'œil et gros bisous. Bon samedi à tous les bas congolais. Le contact des talents en Boka, c'est le 06 452 41 51. 06 452 41 51 pour tout ce monde qui veut bien travailler avec nous pour la communication, que ce soit au niveau de Pointe-Noire ou autre. Nous sommes là, nous sommes très ouverts. Et appelez-nous, écrivez-nous sur WhatsApp. Faut reprendre encore les numéros. Voilà, 06 452 41 51. D'accord, j'ai aimé. Ouais. Moi, je ne vais pas partir comme ça, comme c'est devenu sous forme de le sambo religion. Ouais. Il y a des amis pâtisserie de la paix. Ils m'ont dit vraiment, tout le monde a émission tous les jours. Donc, nous avons Merlin Kouka, nous avons Yannick et l'autre Yannick et Pomon. Vraiment, merci pour l'émission de la musique entre les lignes chaque samedi et à 0h le dimanche. Tu as déjà donné tes dédicaces, hein? Ouais, Nanga déjà, c'est bon. Toi, tu n'es pas comme les artistes. Non, n'abatto tout. Toi, l'ingana pour musique, amboke kendeliboso, la polémique est inatéwana, ça n'a pas de sens. Et puis, n'abat autorité n'abuso, nous l'ango bah politiser, ango bah tira repolitiser ndoule, bah tira ndoule. Et tambola normal, bah politiser ndoule. Oh, bah rosa la rara, bah ça la bah loi moro boye et ça la que bah société privée autre. Pas sponsorisé, bah, artiste Amboka, bah, concert Amboka, bah, festival. Mais n'oublie pas les droits d'auteur. Hein. Bah, droits d'auteur, et bah, de l'égarabé, bah, artiste va toucher, que peut moi, bah, là, en avant. Voilà, bazar. Et donc, souvent, le pape Kot, le président, il se bat. J'oublie pas, il y a Parfait Young aussi qui se bat pour ça. Ouais. On a vraiment, moi, droits d'auteur, écoute. Droits d'auteur et bah, de l'égarabé. Ouais. Maintenant, on va partir, chers amis. J'ai croisé Karof chez les Corneilles. En train de se coiffer, bon, moi aussi je me suis fait un peu beau. Je vais partir. N'oubliez pas, vous étiez en compagnie de Erol Mawanga, le papa de Divin. Il y a Divine qui est arrivé aussi, donc bébé Namso Talarabagou. Sans oublier Eloi Samba, lui c'est le papa de Précieux. Boelke bien, Bantuke Yimbi, vous savez c'est qui? Lui c'est Prince Martel Kouéné. Je salue Mère Wénon, je salue maman Mado qui me suit toujours. Sans oublier maman Alphonsine, je salue. Le lieutenant Andongi, Kolobor, yo, Mikolo Omati, Okumi Atachechi, respect. Eloi, il y a Eti. Ah ouais, on salue Eti, c'est on me donne des dédicaces. Au moins, il y a Bato Bande Babo Mangaï, Bama Bango Télé. Voilà. Mais cher ami, vraiment, c'est faire plaisir. On fait comme on dit ici. Hasta luego, donc. Amigos, nos vemos la semana que viene. Gracias.
Shakiri, ça rime de la bouche. Je dis donc pas, j'irai chercher jusqu'au Mandasos.